qui est très déçu et qui en parlera dès ce soir en débriefing. Attention, le lien qui est maintenu sur MightyBear, mais la contre-attaque. Le TP, attention. Vitality, très bon TP. Ça risque d'être très très chaud pour les G2. Attention, Mythique qui se fait faire blood. C'est Duke Doug qui prendra le first blood, justement, avec son Victor parfaitement joué de la part de Vitality. On va même pas utiliser la dévoration, on va utiliser le rappel du rideau de manière offensive. Et voilà, c'est le collapse total et le T-pop du midlaner G2 d'Escape. Hein. Pas de teleport, pas de dash, rien du tout. Seulement des bots. Attention, Nuke Duck dans le 1v1, on arrive à poser un bon stun sur Perks. Et malheureusement, voilà, on a eu un collapse majeur. Téléporté du Kabocha. Est-ce qu'il y a l'occasion de poser l'ultimate? C'est bien évité par Perks. Ce teamfight se passe encore très très bien pour les Vitality. Levé de rideau ici. On est toujours sur du 2 pour 1 en faveur des G2. Mais ça pourrait très bien s'orienter en faveur des Vita si jamais on arrive à être précis sur la contre-attaque. Malheureusement, je pense que ce bateau a coulé. Téléportine de la part de Perks qui le catch complètement off-guard. Et encore une fois, qui s'effondre complètement. Et là, il y a l'arrivée justement de Expect. Cassine qui va essayer de tanker. On va essayer de ralentir Trick. MightyBear au milieu du pit du Baron. Cassine qui va essayer de s'échapper. Mais regarde, il y a Trick qui va prendre le kill derrière Kabocha, qui va prendre un cocon. L'arrivée de Perks. Perks est là et il n'a plus que l'embarras du choix. Quelle cible choisira-t-il? Eh bien, ça restera Kabochard. Double kill validé par Sven. Je pense, Ab, qu'on a définitivement fait le break ici. On imagine bien que Kabocha aurait pu prendre un avantage plus conséquent, mais que ce n'est pas le cas du tout. Allez, le en chasse, l'étal ici avec un Mantra Shield, le Zora Nexus qui sont même DPS en simultané. Le Barreau d'honneur de Vitality, on a un poisson qui touche sur Kabocha. Nuke Dog, Suzonia, prêt à se faire laminer. Il se fera un produit derrière. Regardez les dégâts des ricochets, des 500, des 400 dégâts absolument partout. Sven qui est en train de toper les DPS metteurs. Police avec le lever de rideau qui sera plus esthétique qu'autre chose. Victoire incontestable. C'est G2 eSports sans employer. De concéder peut-être ce dragon. C'est dommage, de le laisser essayer peut-être la double bombe de la part de Nuke Duck. En tout cas, le combo touche. Va-t-il survivre? Et MightyBear maintenant qui va prendre beaucoup de dégâts. Oh, ils sont tous les deux tombés. First blood et second kill pour les Vitality. Des bombes chargées au C4, mesdames et messieurs. Mais c'est pas pour ça que ce Drake est totalement free. Kabocha, le flash kill. On veut terminer Expect. Il y arrivera probablement pas. Il n'y est pas arrivé. Dragon validé par les Vitality. Le flash juste derrière. Perks qui tombe à son tour. On a quand même eu la chute de Casing sous le feu de Mythique. Pour empêcher un steal, on est level 12 contre level 12. Ça va se jouer uniquement à la chance, slash... La chance, il step in, trick pour le smite steal. Ça ne refocus pas le baron, il est déjà mort. Et les Vitality qui, bien sûr, font un cas d'école. Mais Sven qui arrive à trouver le kill sur Kissing. Attention aux bombes, elles font très mal. Le lâcheur relativement low, mais toute l'équipe est illégalement. La double bombe, Sven est condamné. Il tombe sous le feu très nourri de Nuke Duck. Et le teamfight est largement remporté par les Vitality. Laro qui malheureusement ira dans une autre faille de l'invocateur. Et le sourire de Shones. Attention Nuke Duck, attention à Power Extend. Oh, le movement speed, c'est bon, il va à Mac 12. Et on redisengage sur le côté supérieur pour les Vitality. On veut absolument éviter la compétition all-in. Flash le compte de flasher. On a apparemment le follow-up, il y a Perks sur le flank. Police est sur le point de tomber. Police se fait headshot par le Baron Nashor. Nuke Duck est complètement coincé sur le flanc gauche. Ils sont totalement speed. C'est une catastrophe pour les Vitality qui vont perdre à la fois 4 de leurs membres. Peut-être 5, non seulement 3 au final. Kabochard et Casing resteront à pixel. Vivant. C'est le moment devant tout son stuff pour acheter les Zizi. Et c'est du coup deux inhibiteurs qui tombent. Oh, flash coco. Désespéré de la part de MightyBear quand t'arrives à ce point là. En général, c'est que c'est vraiment la crise pour toi, surtout face à des QSS et à Michael. Oh, attention à Perks, c'est très bien positionné sur le flanc ici. Et on va avoir de l'AOE DPS. C'est un bombardement, c'est terrible pour les Vitality. C'est certainement la fin de ce BO. Kabochard qui tombe quand même avec le Sabine Dylan qui va revenir quasiment full life. Le taunt complètement loupé. Attention, les barres de vie des G2 sont dangereusement basses. On ne peut pas aller jusqu'au bout. Et nous avons ici chez les Vitality. Voilà. Oh, ils ont eu le cocon salvateur. Et peut-être le combat pour les Vitality. Jusqu'au bout. Le slow de H, c'est ici qu'il doit intervenir. Le passif de Brom, Expect lui aussi va tomber. Mais le reste du G2 a réussi à disengage. Quoi qu'il arrive, les Vitality vont avoir beaucoup de mal à sortir de leur base. C'est du 3 contre 3, mais il n'y a plus rien qui sépare les G2 de la victoire. Le Nexus à 50%, Kabocha qui a respawn, c'est terminé. Ils vont le faire et ça tombe, les Vitality peut-être. L'ancien de l'expédant.
Maintenant c'est à l'arrivée de Sven. Est-ce qu'il peut faire un flash in into heal? Récupération de auto-attaque sur le Nexus? Non. On va aller les cloîtrer juste devant leur Nexus et le terminer devant leurs yeux ébahis. Mais les Vitality, ils veulent pas se laisser faire bien sûr. Et Trick, Kiko sur la win avec deux Easy Rot à côté de lui. Mythique, il rejoint. Est-ce qu'ils ont justement DPS? Ils l'ont réalisé une fois, ce n'est pas passé. La seconde serait peut-être la bonne. Expert qui rejoint. Est-ce qu'on pourra y arriver? Trick, encore énormément de points de vie. Il va jusqu'au bout. Va-t-il le valider? Ça passe pas, ils peuvent finir. Faut y aller, ils n'ont pas le choix. Mais attention, il faut y aller. Parce qu'il revient, le focus, le Nexus s'est expansé. Les Vitality l'ont fait. Ils l'ont fait, pop. Victoire Vitality. Ils l'ont fait. Ils ont défendu leur Nexus à 1%. Pas une. Oh, mais non.